Passion, business, loisirs, mégacine hyper lubrifiante vous présente Grand Tourisme. Jérôme Jaguar, un nom qui évoque le luxe. Alors, dis-nous tout. Et s'est transformé cette Jaguar F-Pace, véritable SUV premium, ou pas du tout? Convaincu ou déçu, Jérôme? Dis-nous tout. Ce premier 4x4 SUV de la marque porte vraiment la griffe Jaguar, tout simplement parce que ça ressemble à une Jaguar, sauf que tout est démesuré, plus grand, plus large, plus haut. Même les ailes sont énormes par rapport à une berline, mais on reconnaît vraiment la ligne de la berline Jaguar. Les jantes sur ce modèle en option 20 pouces, c'est vraiment énorme. Et ensuite, la ligne, ça ressemble à une Jaguar, toute simple. Sauf que de ce point de vue-là, de cet angle-là, ça me fait penser à un des concurrents de Jaguar en SUV. Ça commence par P, pour... Bon, enfin, une marque allemande. Et particularité, j'ai ce bracelet Jaguar qui est livré avec le véhicule et avec les clés. Et tout simplement, quand vous allez faire du sport, si vous garez votre véhicule, plutôt que d'avoir un trousseau de clés, vous passez le bracelet devant le capteur sur le coffre, ça verrouille la fermeture centralisée, ça ouvre ou ça ferme. Donc ça, c'est pratique pour aller faire du sport, du vélo ou autre. Au moins, on n'a pas de clés. À l'intérieur aussi, je me retrouve dans l'univers Jaguar avec les matériaux nobles, le cuir. C'est plutôt agréable, plutôt bien fini, avec aussi une finition bois. Bon, c'est pas ma préférée, mais c'est vrai que c'est élégant avec le laqué. Un super grand écran central. Mode voiturier, bah, je ne peux pas vous dire comment ça marche, je n'ai jamais eu l'utilité. Pardon. Et ensuite, au niveau des commandes volants, là je me retrouve vraiment avec une Jaguar classique, une berline par exemple. Je reconnais le volant, les palettes aussi, la boîte robotisée ici. Le super grand toit panoramique, beaucoup de place à l'arrière visiblement, un grand coffre, bon, une super SUV, bien confortable pour faire de la route et partir en famille. En termes d'agrément de conduite et de confort de conduite, alors oui, c'est le luxe, c'est vrai, plein d'équipements, du grand écran au régulateur adaptatif, au détecteur de franchissement involontaire de ligne blanche, volant chauffant, siège chauffant, c'est vraiment le pied. Ce que je retiens, c'est l'aspect confort, car effectivement, pas de bruit, plutôt silencieux. Je vais en parler aussi dans la rubrique moteur. Mais c'est vrai que c'est agréable de rouler avec ce véhicule. Alors pour le prix, heureusement, vous allez me dire. Pour la partie châssis, alors le SUV, son problème, c'est le poids, ses problèmes sont le poids et la hauteur du centre de gravité. Le poids avec le V6 3 litres, ça se sent pas trop car c'est assez puissant, assez coupleux. Par contre, la hauteur, pour éviter le problème de hauteur de centre de gravité, ils ont fait des suspensions très fermes, ce qui veut dire qu'on n'a pas de problème de roulis malgré un centre de gravité élevé, mais l'inconvénient, c'est que du coup, c'est moins confortable. Sur des routes secondaires, je ne parle pas du réseau autoroutier, mais les Dodanes, c'est une catastrophe. Les nationales, départementales, c'est quand même très réactif, presque comme un véhicule de sport. Hein. C'est moins confortable, clairement. Après, pour la partie châssis, super freinage, bonne direction, bon ressenti dans le volant. Ça braque suffisamment pour un 4x4, c'est bien réussi.
La partie moteur boîte de vitesse, donc j'en parlais, 6 litres, le V6, pardon, pas 6 litres, V6, 3 litres, 300 chevaux, associé à la boîte robotisée, donc qui se manipule avec le Komodo rond sur la console centrale, ou avec les palettes au volant. Clairement, le moteur fait super bien son job, malgré le poids très élevé de la caisse. Pour un SUV, c'est élevé, hein, c'est évident. Le moteur fonctionne super bien, un peu gourmand, c'est vrai, par contre, très bien insonorisé au niveau de l'habitacle. De bonnes sensations, en même temps, bon, c'est pas une voiture de course, hein, mais c'est quand même typé sport. On a plusieurs modes de conduite, éco, dynamique, on peut choisir un peu les plages d'utilisation, les couleurs sur l'affichage changent, donc c'est plutôt bien fait, c'est de bonnes performances, de bonnes factures. Au final, je vous souhaite une bonne fin d'émission avec l'actu et le sport. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures dans Gran Turismo. Ciao. Gamme Jaguar F-Pace à partir de 42 740 euros. Passion, business, loisirs, méga-cycle hyper lubrifiant vous a présenté Gran Turismo.